Bonjour les gars. Écoutez, là je viens de recevoir une vidéo d'un pote qui m'a transféré un passage du journal télévisé de RTL TVI de ce midi. Écoutez bien. Donc je vous le retranscris comme ça, vous regardez pas RTL TVI, ça vaut pas la peine. Je préfère le faire de ma façon. C'est un peu plus comique et plus tendre et plus amusant. Voilà, écoutez bien. Donc maintenant au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui va manger au restaurant devra faire un test PCR. C'est-à-dire, soit il vient avec son test PCR de 72 heures à l'avance, soit il en fait un sur place, qu'il doit acheter 3,50 €. Et 10 minutes après, il a le résultat. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, tu attends dehors. Vous avez bien entendu? Donc, pour aller manger dans un resto, on te demande de faire un test à l'entrée, que tu payes 3,50 € et tu attends comme un connard pendant 10 minutes dehors. Et ceux qui sont vaccinés doivent quand même faire le test. Moi, je vous jure, je ne suis plus cette folie, quoi. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Vous êtes des fous. Vous vous rendez même plus compte de ce que vous faites comme ânerie, comme couillonnade. Tout ça pour une petite grippe. Et vous êtes fous, les gars. Mais vous êtes tarés. La preuve, c'est une petite grippe. Puisque même les vaccinés disent, oh, je le fais pas pour la grippe, je le fais pour partir en vacances. Donc vous-même, vous vous piégez. Ouais, super, j'ai fait le vaccin, je suis un te foufou. Wow. Je peux partir en vacances, pas le restaurant. Non, mon gars. Même là, tu peux pas. Vous êtes fous. C'est fou. Alors, ceux qui gouvernent, hein, ces crétins qui gouvernent et qui vous disent de faire ça, c'est des fous. Mais si vous acceptez ça, franchement, vous êtes encore plus tarés, quoi. Vous êtes encore plus tarés que ces gens au-dessus qui vous disent de faire ça. Je suis sûr, hein, que ceux-là qui sont en train de dire, eh, les gars, ils le font, t'as des cons, hein, qui font ce truc débile pour pouvoir manger une omelette. Et on est où? On est où, les gars? Hey, on va se réveiller un petit peu. Hey. Je vais faire vaccin, quoi. Comme ça, je mange un spaghetti bolo. Et toi? Moi, je fais le vaccin, et puis encore un petit test. Comme ça, je mange mes boulettes. Putain, René, t'es trop intelligent. Ouais, toi aussi, Jean-Jacques. Allez, viens, on va manger à deux. Vous êtes fous. Vous êtes complètement fous. Je suis un peu excité, là, parce que je viens de voir ça à l'instant. Et vous savez, quand je suis un peu excité, je suis excité. C'est pas grave, hein. C'est juste excitation, quoi. Parce qu'aussi, je vais juste me dire une petite phrase qui m'amuse. J'ai quelquefois des gens, vous savez, ceux qui font la petite gentillesse fait, tu sais, ça ne sert à rien de s'énerver, Stéphane. L'univers te parle. Pose-toi. Ça sert à rien, cette haine, cet énervement, ça ne sert à rien. De temps en temps, un bon coup de boule, ça fait du bien aussi, quand même. Non? Moi, ça me fait du bien, de temps en temps. Moi, je suis zen. Généralement, je suis zen, mais un bon petit coup de boule au connard, ça fait du bien, hein, non? Pour moi, si. Allez! Allez, bon appétit, bon PCR, bon vaccin. Allez, allez-y les gars. Allez, allez manger au Grand-Duché de Luxembourg. Ça va venir chez nous, hein. Hein, je suis pas en train de me foutre la gueule que des Luxembourgeois, hein. Ouh là là, vous allez voir ça. Dans 2 jours, les macronistes, ils vont le sortir. Et les Alexandre de Cro-Magnon, ils vont nous le sortir. C'est tous des caves. Voilà. Allez, bisous. Et à très vite pour... Ça devient de plus en plus chouette, allez manger un petit bout. Ça va être chouette. Waouh. Ciao.